Mes amis, bonsoir, bienvenue à l'autre émission de Mosaïque. Tout le monde connaît Mosaïque, c'est une émission côté deux belles garçons à Pchita, à parler politique et des fois de tout et de rien. Et à la fin de l'émission, nous allons résoudre tout problème du monde entier. Et ça, c'est la force de Mosaïque. Alors, bien, on invite qui convient là, c'est la Kaeli, qui convient là tout le temps. Et chaque fois le vini, il vient bah, nous un moment très intéressant. Nous apprenons un peu de bagaille, nous rit. Il m'a parlé de bons amis, moi, Georges Satie. Georges, bienvenue à Mosaïque. Bonjour, bonjour Claude, bonjour tous les téléspectateurs qui regardent nous. Moi, nous voilà le Chita, essayer d'expliquer, ça nous comprendre, ça nous ouais, ça nous penser. Nous pas absolument rien, nous pas propriétaire, nous pas maître de la vérité, mais nous avons essayé, dans toute matinée de tout boyau, nous avons essayé de prendre données, nous accumuler. Nous classifier et nous analyser pour nous voir si nous arrivons avec des prédictions. Parce que généralement, ça nous dit on va vraiment passer et nous voir ouais, si fois ça nous dit on va continuer à passer. Et vraiment, ça vous dit là, c'est vraiment intéressant parce que pour le moment, je vous dis, je ne crois pas que moi, ouais, une situation côté nous pas connaît côté vérité absolue. Parce que avec social media, avec ça, qui a révolutionné le monde politique et le monde à tous les niveaux, nous arrivons dans une situation côté Gemoun qui bat. Position yul, gen moun ki bay, ki a bay menti sou moun, men nou pa konti se menti, paske nou pa kon la verite. En menm tan, nou gen moun ki ap investi kob pou fabrike de mesaj pou vin pase ki yo, se sa ki soti nan la ru, ki ka verite, se petet menti. So, wap gen un politik. C'est une guerre. Avant, c'était guerre avec bâton et avec ou peut-être avec ZAM. Maintenant, c'est une guerre d'informations et de mauvaises informations fabriquées pour que nous par contre, si est-ce que Jovenel c'est voleur, est-ce que c'est pas voleur, est-ce que c'est le groupe le core group soi-disant qui est la raison que Monsieur est au pouvoir toujours, ou est-ce que c'est lui-même qui a attaqué. Et gros bonnet, c'est pour ça qu'ils ont attaqué, ils ont financé les gens dans la rue. Ça veut dire que l'information vient de tous côtés, nous ne savons pas qui est pour nous croire, et à la fin, nous obligés, nous venons mêler. Ça, c'est ma position. Je ne sais pas qui est pour nous Bon, croire encore. moi-même, ça, moi, ouais, que avant, depuis 2000 ans, c'était grand média, yo, grand journal, yo, grand télévision dans le monde. Yo. Qui des monopoles fake news, c'est ce qu'on a menti depuis longtemps. Quand il y a fake news, c'est généralisé. Tout le monde a droit à fake news. Alors, on est obligé de chercher tout le temps pour être ça vrai, ça pas vrai, parce que ou bon bon monde, un bon vagabond, qui a essayé de contrôler tout le monde. Même la cellulaire, si vous regardez. Yo kontrole nou net, yo kont tout sa nou fè, tout sa nou di, tout sa nou panse, mèm nan internet la tout. Mè, yo fò e wè, yo vreman kontrole nou, mè yo pat konè ke nou mèm tout, les habitants, les gens, nou tabral kontrole yo tout. Kou lè apak a fè vagabondaj, jè te kon fè anvan. Jean-Claude Dian, lantan te karive, ou met baton sou moun, ou tire moun, ou fait tout ça, vous puis rien va passer. Vous avez pris photo, il a filmé, et puis vous avez monté dans l'internet immédiatement. Alors, bah, ça n'a pas permis encore. Et vous n'avez pas qu'à faire mon bluff. Si vous regardez dans le monde entier, un phénomène qui a fait là, que moi et moi-même, la dératisation mondiale, totale et capitale. C'est ça qui a fait dans tous les pays du monde là. C'est un lavage à pression. C'est-à-dire, vous allez au Chili, où il y a des millions de monde dans la rue, et puis vous demandez pour le président d'aller à tous les politiciens. On dit, bon, l'Amérique latine a commencé chaud, et ça, en Bolivie, manifestation, ou en Équateur, manifestation, Argentine, il y a une élection dimanche là, où est-ce là.
chaud en Argentine, ou regardez au Pérou, bah là chaud, bah là chaud de tout côté, mais ils ont dit, oh, mais c'est l'Amérique latine, non, ou Haïti, Haïti chaud, son pays qui l'a, c'est la première fois dans l'histoire d'Haïti qu'on va arriver, mais on dit, oh, mais, ça passe là. On a regardé en Asie, et pour en Asie, ou même phénomène là, on dit, il y a Hong Kong, tout le monde connaît que la Chine, c'est la grande dictature, plume de bouillie en Chine, et puis le peuple a campé dans la rue, et puis il n'y a pas rien, pour les gens, il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas l'armée, il n'y a pas militaire, il n'y a pas la police. Et vous dites, bon, ça passe là. Eh bien, nous faisons arriver dans le Moyen-Orient, dans le pays arabe, pour nous, ça passe. Et pour les manifestations en Iran, manifestation en Libye, manifestation au Liban, à la chaud, manifestation en Irak. Un bon monde a mouru, puis il y a dans la rue, il y a tiré, il y a pas comme ça pour faire avec vous là. Où est le président Chili qui a monté, qui a demandé pardon? Que yo regrette yo parler bien monter pension moun ou des citoyens chiliens qui do bon et c'est vrai ça veut dire c'est correct on pas travailler 60 ans en vie 6 décades que me travaille on t'a touché 1500 dollars par mois coulé à l'aime une grand moun yo ban 500 dollars on pas même qu'à vivre avec lui et puis m'oblige à demander petite temps pris souple pour yo payer électricité pour moi. Pour que je me mange, je me oblige à prendre. Pour que je me suive, je suis malade, il faut que je me coupe pour m'acheter un médicament. C'est quand vous ici, vous avez une social sécurité. Ou pas qu'à vivre à la social sécurité. Ou pas qu'à vivre avec elle. C'est soit décider, soit manger, soit acheter un médicament. Et moi, je pense que tout ça que tu fait dans le monde, ce n'est pas correct. La plupart des gens que nous rencontrons, ils travaillent 30 ans, 40 ans dans la vie. 30 ans, 40 ans. Ils ont construit ça pour vivre là. Soit marcher sur une bonne route. Sur un bon hôpital. C'est des gens avant nous qui ont construit. Et puis, les gens qui ont voulu aller à la yo, au lieu de la société à occuper, nous avons gaspillé l'argent, nous fait la guerre. Nous dépenser, le monde dépenser au moins 700 millions de dollars par heure pour ZAM. Bon, si nous avons 15 minutes de ça, 15 minutes de l'argent, ça va à peu près 150, 170 millions de dollars, nous avons fait. Tout le monde cite soleil vivre en Belgique. Tout le monde a vivre bien. Alors que le bon monde, un bon politicien qui fait toute vie, il n'y a pas jamais de travail. Il n'y a pas jamais même bœuf chaîne. Ça dit la bœuf chaîne. Il essaie de charger le camion, il essaie de faire des bagages. Et puis tout d'un coup, il est le chef. C'est peut-être ça. Le monde a posé cette question et puis le monde a demandé pour ça fini dans le monde. Le président sorti, il décrète que le besoin. Un président de Goumateli, alors il sortit 20 000 dollars per diem par jour. Pour nous regarder la news, je dis qu'il fait 191 voyages, ça veut dire qu'il fait 4 millions de dollars. Il fait moins de 4 ans sous pouvoir, il fait 4 millions de dollars, l'un voyage seulement. C'est pour un brigandage. 20 000 dollars par jour de per diem. Le per diem, 20 000 dollars. Per diem, l'homme qui a fait de 4 000 dollars, monsieur était monté, il est monté sous pouvoir, il dit non. Il est trop petit. Il faut 20 000 dollars par jour. Ça, c'est pour tout entourage ou pour monsieur? Non, pour lui seulement. Après, c'était 20 000 pour lui, 10 000 pour madame. Mais si vous avez fait 191 voyages, vous calculez un minimum de 4 millions de dollars dans le voyage seulement pendant un peuple, pas de manger, pas de rien. Tout ça, c'est un abus. Alors, il faut que le peuple calme, il n'y a pas besoin. Regarde, parlementaire, j'ai fait quoi? Parlement, il faut le fermer. Il faut fermer le Parlement, il faut mettre la Constitution en veilleuse. Nous n'avons pas besoin de tout Parlement, Parlement menteur, ça y est. Un bon volet qui entre dans le Parlement, qui a fait ça l'idée de l'homme, il faut non seulement arrêter, il faut confisquer bien, il faut fermer le Parlement, il faut mettre la Constitution en veilleuse pour refaire la Constitution par l'élection parlementaire pendant 10 ans et pour que 11 départements. Sans besoin de 100 volets dans le Parlement. Où on y mettait 11 représentants, c'est 11 départements nous gagnons. Ok, mais on parlait de réalité, de ça qui peut être possible. So, on prend une situation en Haïti, je dis. Situation en Haïti, je dis, que j'ai entendu dire, pas j'en pensais que nous, Haïti, t'es arrivé dans cette situation, Jean-Louis Kounia là. Parce que dans le passé, si vous regardez avant l'arrivée de François Duvalier, c'était l'armée qui contrôlait. So, finalement, ils mettaient un président provisoire, mais après 6 mois, si le président ça
li pa a la hauteur, yo retire. Ou pou de rezon personel, yo retire. So, te gen en ou instabilite. L'arrive de François li manevre dan lakel li elimine moun nan li retire deja general nan l'arme rapidman, li vin kontrole, li kreye milis, tonton Makoutio, pou ka kontrole yon kontrole lot, e se konsa el rete ou pouvoir, li menm e pitit li pandan ase lontan. Me sa mande, non seulement une volonté de ne pas négocier avec l'opposition, parce qu'il n'est pas quitté, l'opposition existait même, et ça a demandé une main forte qui n'est pas possible aujourd'hui, parce que la dictature, c'est un barré que, à cause du téléphone, à cause de la vérité, le Téguin au massacre dans Jérémy, il a pris plusieurs semaines, plusieurs mois avant de compter tout détail. Le gain est. Ce gain en réalité aujourd'hui qui n'est pas qu'à. Nous besoin, c'est est vrai que Haïti a besoin de main forte, oui, mais n'est pas qu'à forte, j'en étais avant. Non, non. C'est une démocratie. Une démocratie, il faut gentil, mais ferme. Très gentil, c'est la population, tout ça au cabalier, et puis un vagabond, pas la bêtise. Mais ce n'est pas pour dire que c'est Duvalier seulement que tu fais le Burundi. Il faut avoir. Il faut respecter la vérité, tout. Duvalier était là parce que l'Américain te mettait. Souvenez-nous pas un pays souverain depuis plus de 100 ans. C'est l'Américain qui décidait chaque président nous gagner. Couleur est venu avec une nouvelle forme, qui aurait la démocratie, son nouvelle dictature, ça aurait une dictature soivée. Alors, comme vous regardez, où est-ce qu'on va mettre le président pour nous, et puis nous-mêmes, nous avons un petit macaque qui va voter, qui comprend qu'on va voter, et puis nous ne pouvons pas voter. C'est ce que tu mets tout le président après ça, c'est ce que tu mets. Si vous regardez bien, c'est ce que tu acceptes Préval, c'est ce que tu as demandé Préval pour le président, c'est ce que tu supportes Aristide, c'est ce que tu mets Matéli. Tu ne peux pas supporter Aristide, parce que tu es là. Tu es là dans la campagne, tu es avec CBS. Ça arrive, yo ouais. Que la majorité du monde okay. Est voté pour Aristide. So, effectivement, oui, il est arrivé dans le fait accompli que c'est Aristide qui passait les élections, il a décidé pour qu'ils ont qu'à tolérer. Mais il y a tellement, ouais, que c'est un bas qui pas possible, que les Américains étaient d'accord et demandé Cédras pour faire coup d'État. Oui. So, mais ils sont partis dans le gouvernement américain. En même temps, nous avons l'autre parti. Qui t'a protégé, qui t'a balle tous les avantages possibles, inclus en pile mon Black Caucus là, oui, faire l'argent correctement, monsieur. Mais finalement, il était bail feu vert à Cédras pour faire coup d'État. C'est le State Department qui a le dernier mot. Oui, mais le. Ok, State Department qui a le dernier mot. Mais finalement, bottom line, c'est le seul chef, jusqu'où là. C'est l'ambassadrice américaine là. Qui est président d'Haïti. Alors, son macaque, nous est là pour, disons, peuple voter. Mm-hmm. Il a réglé une donne sous Préval et il a toute news. Et il vient sous Préval et puis il dit Préval, non. Célestin va rien bon. Madame, vous Célestin, non, même. Célestin va rien bon. Mais c'est Matéli qui pour bon. Et vous voyez, Réginald Boulos, il a toute news, négocié à Préval. Préval obligé de céder à la fin. Mais il faut qu'on ait avant ça, toute l'élection faite. La petite histoire que tout le monde connaît, qui a parlé dans la rue, battre là moi-même, personnellement, pour me écouter, coup de téléphone. Yo. Mais maintenant, il y a les Charlie Tobeke, il y a tout le monde, il dit, oh, l'élection pas bon. Madame Annika Kouri dit, l'élection pas bon. Il y a tout dit, l'élection pas bon, il va rencontrer l'hôtel Caribe pour dire que c'est frauduleuse, élection frauduleuse. Pendant maintenant, il s'ouvre, il recevra un coup de téléphone. Des gens qui prêts, qui ont tout raconté ça dans le monde, c'est pas un nouveau thème. Quand tu dis, Matéli, mon chopal dit que bah, là pas bon, parce que c'est pas le fait final. Ah, je suis content, je dis, ah, oui, pas le fait final, mais c'est belle bagaille. Quand l'Allemand de Maniga a monté, c'est ton figure de poids, tout, il y aurait le tout, il dit le même bagaille, c'est pas le fait final. Pas dit le pas bon. Là, il est arrivé dans l'hôtel caribéen. Et puis, Matéli dit, moi, je ne dis pas bon, non, il dit, faut nous garder les bagailles, il bien. Et puis, Charlie Tobek est saisi. Et puis, Mme Maniga même, elle veut dire, ah, je n'ai pas dit que les élections ne sont pas bonnes, vous savez, même là, pas les Français. Wow. Coulé, d'après l'histoire, la petite histoire, le, et Chalito vexé contre Matéli, il fait compte. Il vexé contre Matéli, il s'est senti trahi. Mais Coulé, elle est arrivée, puis devant, il dit qu'il a eu Clinton,
Là, elle parle à Madame Maniga, et Madame Maniga, même avec une mentalité européenne, elle a étudié à la Sorbonne, ce grand intellectuel lié. Il dit, oui, Haïti est un pays souverain. Hein? Il a dit, je ça, 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 ça. Madame Maniga dit, bon, bacabo tout, parce que nous sommes un pays souverain, elle a parlé français, tu. Eh bien, il veut son Matéli, Matéli dit, Tout ça, vous voulez ma Madame baoule. Clinton, pays à ses pas, calé d'adao, joue pipito le pays à. Madame Clinton dit, mais n'a pas besoin, même si c'est un nègre qui t'a fait crack, même si c'est un nègre qui dit qu'elle te vend cocaïne, la télévision, mais ça n'a pas importé, c'est pas ici, hein, oui. C'est un vagabond, son pays pas bon, rien, on va mettre là. Et nous, ouais, résultat. Eh bien, nous, Et nous, et résultat, n'a, mais et sous n'a, garde bien, nous n'a pas jamais vive. vraiment choisi. Mais fois ça, peuple haïtien, elle comprend les jouets là. Elle dit que l'a choisi, fois ça. Mais qui est-ce qu'on a choisi? Je ne sais pas comment qu'elle l'a choisi. On parle, on parle. Premièrement, nous avons un désordre total, le pays n'a pas été janvier. Jovenel Moïse, il est là jusqu'à 2022. Est-ce que le cas Kimbé, est-ce que le pays s'est arrêté janvier jusqu'à 2022 janvier? Est-ce que vous pensez que ça a arrêté? Pas cas Il Kimbé. va OK. raconter 3 mois encore. So, il n'est pas cas Kimbé. Monsieur tombé. OK. À un certain moment, Américains obligés dit nous pas qu'à supporter parce que déjà maquette pas manger moun pas aller dans la rue moun pas aller même chercher visa dans l'ambassade du pas ça veut dire pays a bloqué net OK so effectivement on pile hôtel fermé on pile hôtel Restaurant fermé fermé. restaurant fermé c'était la totale so déjà vous pensez que Jovenel depuis longtemps le ouais ça Pour dire, bon, si c'est moi qui bloquais PIA, ma boîte colle. Parce que si je remets Haïti, je remets ouais, Haïti comme ça. Oui. Mais il n'est pas allé. Oui. OK. Ce monsieur allé, ça n'a pas. Parce que qui, Jean, C'est n'a vrai. obligé. Il faut nous caser le Parlement. Mais qui est-ce qui a casé? Nous n'avons pas l'armée pour dire, monsieur, à la caillou. La police, elle est sous tutelle de gang et de l'autre mounio, elle est sous contrôle. La police, que parlementaire contrôler la police. Il semble pas avoir solution là. Non, m'a demandé. C'est facile. Où est les lunettes? Moi, je n'ai pas les lunettes sur moi. Là, gros problème. Bonne solution. Là, gros problème. Quand on va aller, on va le président. On va le patron. C'est patron pour bonne solution parce que c'est patron qui est chef. Et qui est-ce qui est patron? Ambassadrice américaine. Ou pas arrêter la carrière pour dire, mettez-moi 4 ans, figure, dis-moi pas même. Ça, on va faire. Lui-même, la bonne solution. Hein. Mais tout autant a fait jouer que c'est Jovenel, Jovenel, Jovenel. Jovenel, son tinec banane, sans banane. Depuis avant l'élection, hein, c'est même équipe Clinton qui te mettait. Il a dit, fourré banane, nan, dada, monsieur. Moun pas comprendre ça, yon pas d'accord ça. Mais monsieur, son petit coquin, parce que monsieur, son paysan coquin. On a des fois paysan, tout le monde comprend, coquin. Parce que moun la ville, yon plus intelligent. Et bien, vous l'avez, monsieur là, et puis patron, il dit, pas déplacé, ça lié, son petit lâche lié, ça lié pour le rite là. Pays a casé, patron dit, pas déplacé. Et bien, vous me dites, patron, à qui vous avez venu? Soit venu à troupe, ou va dire, ok, vous êtes dans le pays, ou était là, ou pas parler, soit disant, pas dire rien, trompe te dit nous, et tout le monde connaît, nous sommes dans l'Italie Haïti, trompe te dit nous, je serai le champion des Haïtiens. Et bien, il n'est pas trop tard pour être le champion des Haïtiens. Pour le venir avec solution pour nous. Mais tout autant, il aurait été à regarder, nous couler, à regarder que Biden, le Parti démocrate, là, c'est à cause de parti par là et de monde par là que nous dans la situation, ça, que depuis 30 ans, il contrôle Haïti. Mais, monsieur, dit, oh, allez, ton papa, il y a un autre Haïti. Et bien, couler, il a été à parler de tous côtés. Président Trump, pour l'obliger pour une décision. Pompeo, c'est le chef du département d'État, son clownier, son bozolier, je dis ça carrément dans tout Facebook, de tout côté. Ou pas qu'on ne comprend rien, qu'on mettait dirigeant du département d'État. C'est lui qui a baillé ambassadrice là, président Haïti local là, l'ordre. Eh bien, il y a que, même j'aime te dire que Trump a provoqué Bolton, ou bien pour aller provoquer Pompeo tout. Il n'y a pas obligé de faire un bagage. Alors, fort. Peuple là, qui met pression là, oui, hein? Bien chaud, et pas occupé Jovenel.
Jovenel pas même un cheveu dans son plat. Jovenel, son équipe, il a Jovenel, tout le monde a pris un exquis Jovenel, Jovenel, Jovenel. Et pour demander à l'ambassade américaine, nous n'avons pas besoin de faire violence du tout. Nous n'avons pas besoin de craser, briser, pas mettre du feu. Au contraire, tout, nous n'avons pas qu'à craser un pays à cause de 200 volets. Ces 200 volets, nous avons dans le pays, nous avons plus que 10 000 polices, nous avons arrêté. Nous avons les grands voleurs qui sont 20, sont vingtaine de gros, gros voleurs, gros fous millionnaires. Qui est-ce, yo? Tout le monde connaît, vous avez besoin de faire des choses. Tout le monde est bon, ça nous est les bons goûts. C'est volé, oui. Bon, on est par exemple pour un Paul en mon. Qui est-ce qui est Paul en mon? Tout le monde connaît. Je dénonce ça depuis 20 ans. Je ne sais pas si un Paul en pays qui a payé le prix de hamburger, pas moi. À l'époque, j'étais loué Paul en mon, direction générale des impôts, pour 200 gouttes. Imaginez, on paye un pour 200 gouttes par an. Pas moi. Pas moi le dire. Alors, ça, c'est du vagabondage. Ou pas qu'on bonne pour un pays qui contrôle. Plutôt faire privatiser les Chinois. Même Brésil a privatisé pour les Chinois. Tout a, même Israël, les Chinois pour le privatiser. Ou prendre des grandes compagnies chinoises, ou privatiser pour eux. Sans besoin de quitter le petit volet, ça, qui va jamais faire rien pour eux, qui va jamais ranger rien pour eux. Bah, yo. Nous arrivons dans une situation côté, effectivement, ils ont demandé, Jovenel a allé. On dit que Jovenel n'a pas allé dans les prochains 2-3 mois, avant la Noël, avant 1er janvier, Jovenel n'est pas là. On dit. OK? Et quelle étape? Si nous passons dans la formule président provisoire ou le chambre de la cassation, le président de la cassation au niveau de la Cour suprême, si nous mettons un monde temporaire pour organiser des élections, n'a pas retourné dans le problème privé, hein, parce que pas gain un monde qui fait plus cob que privé pendant l'époque ouais, privé, tout monsieur. Tout le monde qui fait tout cob, ça va pas là. Il va arrêter, il va confisquer bien, il n'y a pas besoin de craser. Qu'est-ce qui a arrêté? La force de police et le monde qui chef la météo actuellement, qui est américain, il va décider qui est ce chef là. Il va mettre un gouverneur en Haïti qui va couvrir, mais il va mettre en Irak. Ou bien quand on envoie un général américain, j'en le ou bien si vous voulez un général là, pour un haïtien qui est haïtien. Vous la mettez au monde pendant. Très compétent avec un conseil de sages, vous avez mis mettre l'ordre pendant. Avec une équipe de monde que tout le monde connaît, qui a une réputation immaculée, qui n'a jamais fait ça, pas ça, qui a green et brain. Et puis vous prenez le monde, et puis vous dites mettre l'ordre dans le pays, et puis vous venez. On dit, OK, nous allons mettre les constitutions veilleuses. Jusqu'à 22, jusqu'aux élections de 22 Non, nous allons l'élection pour 10 ans. Nous allons l'élection pour 10 ans. Élection bobine. Nous allons faire des premiers ministres. Tout pays de l'Amérique latine, c'est présidentiel. Pour exemple, nos premiers ministres, nous avons proposé européen. Nous ne pouvons pas même proposer un petit pays rase, nous avons proposé européen. Parler français, premier ministre, pour aller à la tribune. Non. C'est un vagabondage. Non, parce que de toute façon, constitution. Faut gagner un pile pour changer la constitution. Bloquer la constitution, hein, ou changer la constitution, hein, ou prendre à partir du parlement ici, hein, soi-disant parlement, hein, nous ne pouvons pas mettre parlementeur là-dedans, nous prenons et puis mettre 11 représentants de 11 départements. Chaque représentant qui est pour voter est voté dans son département. Alors, il va marcher dans toute petite ville pour chercher vote. Et puis, il faut une série de bagages. Il faut montrer qui est le travail qui est fait. Il faut une machine. Nous n'avons pas de machine à bailler. Nous n'avons pas de frais à bailler. Ou son nez qui vient servir pays. Frais, l'État baille son minimum de frais le cabarou. Pour un secrétaire de sécurité. Il faut montrer ce qu'on fait à vie. Pas on va venir gérer l'autre monde. Est-ce qu'on te travaille? Est-ce qu'on te planté? Est-ce qu'on te ben, éduqué petit ou bien? Est-ce qu'on a une bonne vie et mœurs? On n'a pas qu'à prendre un paquet de chats pour la parlement. Son a bien 11 chefs section. Je parle des chefs section. Moi, les 11 représentants. Gouverneur. De, bon, on va faire comme ça, on va aller le gouverneur tout. Mais gouverneur, la gouverne et département. On a besoin de lui. Ça, c'est représentant département. Ok, so on a 11 représentants. Les force devant le pays, nationalement, okay. pour accepter les lois, faire les lois. Okay. Et puis, est-ce que c'est un président ou c'est un comité de sages côté et les ministres, est-ce que nous avons un ministère? Oui, ministère de la santé, etc. Le gouvernement nouvel,
un gouvernement normal avec le président, mais avant le ministère de la Constitution, il faut montrer ce qu'on a fait. Il faut prendre des hommes techniques. Quand vous faites le Brésil, là, vous prenez des hommes techniques. Ce n'est pas parce que ces hommes sont partis. Hein? Ce n'est pas des hommes partis. Il n'y a pas de barrière comme ça. Ok, so pour moi-même, ok, so je vais comprendre la solution que nous avons présentée là. Premièrement, nous avons. Et nous étions le président qui l'a. Nous mettons 11 représentants, un pour chaque département. Est-ce que ce seul monde qui est élu, c'est Mounsayo? Le vote vient dans mon département, c'est Mounsayo qui est élu. L'autre monde, tout. On a élu les maires, on a élu les maires. Magistrats. On a élu magistrats, on a bien certains critères. Faut qu'on a fini l'école. Faut qu'on a. Okay. Et puis nous arrivons à Kounia là. Pendant plusieurs années, pour nous refaire la Constitution, côté nous faut un comité qui travaille sur la Constitution, qui résout le problème. Parce que le président, par exemple, la Constitution haïtienne retire tout pouvoir dans le président. Ce qu'on appelle la loi de la responsabilité fiscale. Chaque monde qui dirige le département, ou pas quand on est en train de déficit, il faut dépôt et taxes soient entrées, impôts soient entrées. Qui a géré le département, il n'y a pas couru entre le déficit. Si vous avez 100 000 $ recevoir ou dépenser 150 000, et vous courez dans le gouvernement national et vous dites, oh, bon, 50 000 $ dépenser. Et puis, il y a fait des fois bon cop pour voter. Il y a fait des bon cop pour voter. Vous venez de servir pays ou vous n'avez pas de bon cop pour voter. Si vous prenez, j'ai été pris au Brésil, ça a été mensalité. Chaque député Brésil, le sénateur Brésil, a touché pour voter chaque mois. Ce gouvernement nous là, ça finit. Il a arrêté. Et mes députés prennent quoi le gouvernement pour voter, il arrête tout immédiatement. Oui, je me dis, nous presque résoudre le problème déjà, et puis ça en seulement une demi-heure de temps. Nous avons fini avec le reste solution pour Haïti et le monde entier après ce message. Et voilà, nous de retour avec la deuxième partie de l'émission Mosaïque avec mon ami Georges Satie. Et nous sommes très contents parce que nous presque fin solutionner tout problème d'Haïti, mais nous pouvons finir. Maintenant, première partie, nous sommes rentrés dans une solution, puisque l'affaire de lavage à pression, c'est une expression comme déjà dit plusieurs fois dans l'interview que je fais avec plusieurs mots ici. On dit à faire lavage de pression parce que ou l'autre élection qui mène nous dans la même constitution, ça, qui mène nous avec le même parlement qu'il a, problème pas jamais résoudre. Entre-temps, chaque ministère déjà a en main plusieurs parlementaires qui sont des gangsters. Nous avons des gangs qui sont contrôlés par des parlementaires. Ce parlementaire n'a pas arrêté. Solution pour nous remplacer, nous parler de lui, avec solution de finir avec le Parlement pour le moment. Avoir plusieurs années pour refaire la Constitution, pour que lui pas empêcher, pour moi-même, faut que vous ayez un président qui est fort. Ce n'est pas parce que nous passons des moments difficiles avec les Duvalier que nous pas qu'à retirer le pouvoir de notre président complètement. Parce que le président, il nomme un premier ministre, et puis, ce n'est pas lui-même qui choisit. Il choisit le premier ministre, c'est le Parlement qui l'accepte. Deuxièmement, un président qui est fort, avec, bien sûr, des institutions, comme ils font aux États-Unis, qui ont veillé les yeux sous le président. Si le président vient commencer à faire bah, qui passe ça, faut que gagne des contrôles. Mais au moins, il faut que le président ait le contrôle par le ministère, que le nommer, lui-même nommer qui est pour la donne, que le prendre responsabilité. S'il a un plan politique que le besoin présenter, comprenez, c'est lui-même qui doit nous voter pour monsieur, pour un président, et puis il n'a pas de pouvoir. Il faut le mendier à Parlement, bon premier ministre. Ça. Après ça, si le premier ministre a une autre idée, il a obligé et accepté
tout ça, le Premier ministre dit, si le Premier ministre Kounia, puisque il y a plus de pouvoir que le président, décide qu'il a fait la guerre, le président bloqué. Le président n'a pas de pouvoir en Haïti, sous la Constitution. Donc, il faut refaire la Constitution. Ça, c'est certain. Nous voyons le résultat. Nous arrivons là à cause de ça. Un système présidentiel. Toujours un bon leader, toujours gentil, les faire, mais les balance. Quand on fait le souli. Bon. Oulia, on va passer dans le pays qui fait un pile monde pas travailler. Il y a mon gars, franchise douanière. Bon monde qui franchise douanière, et puis monde sérieux, peut-être ça m'a obligé de faire mes business pas tout. Monde sérieux pas travailler parce qu'on paye, disons, acheter 50 000 dollars, 50 000 dollars taxe, un exemple. Ça vaut 100 000, on l'a acheté pour 50 000, il paye 20 000 dollars de taxes, il ne paye pas rien. Alors, lui-même, il a vendu à 70, ou même, il n'a pas vendu du tout. Comment ça me dit là? Alors, il y a un pile business. Mais qui est-ce que je veux dire? On a le gouvernement, on paye au monde, et puis on ne peut pas faire son jouet de balayer. C'est ça, le milking de car, on a peut-être bœuf là, tout le monde a peut-être bœuf là. Comment idée de franchise qui est dans la rue Kounia là, qui bon, fait. Par exemple, pour l'église. Bon, autant de toute semaine, ça, la nouvelle. Les besoins, soi-disant, achetés, faits, sont l'église liée, ben, ça va être qu'elle doit faire. Mais là, l'écoute gouvernement dit, OK, mes besoins, 50 000 tonnes faits. Mais moi, il a besoin de 2 000 tonnes faits. Il avait 48 000 tonnes faits, là, mais il n'a pas de payer. Douane. 5 fois pour lui, la douane, et puis le vendre en commerçant. Un so, exemple. Couleur, on l'autre bagarre encore qui crase et business à payer, c'est blanchir l'argent. Pour que tout le monde goûte, qu'a blanchi l'argent sans arrêter. C'est-à-dire que... Blanchi l'argent, l'argent illégal, l'argent drogue. L'argent drogue. On doit dire la vie sur vous, tu dis ok, ma boy, 1 million de dollars. On besoin blanchir l'argent, on va remettre 800 000 dollars. Mais on a déjà fait 200 000 dollars, ça veut faire 20% par temps. On va prendre un cob qui n'a pas de trace, c'est un cob qui drogue. Oui, ok. Qu'on y a là... Ou après, on va mettre le nom en business. On va prendre ce business, on va faire ce business, on va acheter le terrain, on va acheter ceci, on va acheter le terrain pour 100 000, mais on va acheter le terrain pour 400 000, 500 000, et puis on légalise comme là. Et puis on va remettre comme là. On va faire le business pour ça. Parce que si on achète une marchandise pour 10 dollars, on a déjà fait 2 dollars en bas. L'autre monde, même genre, on va acheter pour 10 dollars tout, il paye taxe, il paye douane, il paye ceci, il faut le vendre pour 13 dollars, ou même on va acheter le pour 10, en réalité, on achète pour 8, ou même on doit venir à 10, et pour tout tuer l'autre nègre là. Il n'y a pas de travail. C'est une raison, ça et tout. Exactement. C'est alors, que tout le bas est fait pour investir. Pas, c'est un investissement qui fait, comme blanchissement, c'est un cob qui fait, qui capait du cob, c'est pas grave. Mais la compétition. Il tue la compétition. C'est un monde qui est honnête, qui utilise bon l'argent. Pour acheter la presse, tout, la presse n'a pas qu'à parler. On regarde un journaliste là qui dit, mais liste le monde qui est franchisé. Il fait tout le monde tant qu'il dit liste de monde qui a franchisé, et puis il regarde, il parle, parle comme un politicien, et puis il va jamais mettre liste de monde qui a franchisé. Il explique que l'église fait tel genre, ceci fait tel genre, il va prendre le monde. Mais toute la presse n'a pas parlé. Mais grâce à Dieu, il n'y a pas besoin de la presse encore. Nous avons WhatsApp, nous avons Twitter, nous avons YouTube, nous avons Facebook, nous avons mettre un canot sur eux. Il regarde. Ou un paquet de bail d'eau dans la gasoline qui a fait en Haïti. Oui. Gasoline. A pas de gasoline. Eh bien, ça n'a pas fait, n'a pas mené le monde, n'a pas fait investigation normale, transparente, honnêtement, n'a pas mené auditeur international, et puis nous disons, regardez-vous, qui est-ce que ça fait quoi? Expliquez-nous. Combien de taxes au pays? Pour qui ça a acheté gasoline à tel prix ou vendu à tel prix? Côté bail à sorti, qui est-ce qui baille? Ok. Colère. Où a fait l'hélicoptère dans le palais national? Oui. Il y a ça pas de problème l'hélicoptère. Qui je le fait? Pour qui ça le fait? Pour qui ça le paye comme ça? Qui chèque qui sorti? C'est peut-être ça ou un comptable qui vous fait comment, audition. Comment est-ce que l'hélicoptère? L'hélicoptère? C'est Abdallah? C'est Abdallah. Shérif Abdallah. Shérif Abdallah. Alors, lire les shérifs, mais. Shérif, c'est normalement le chef de la loi. Oui, mais monsieur pas dans la loi lui-même. C'est le shérif hors la loi. Mais il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas besoin d'accuser personne comme ça. Depuis le gouvernement établi, qu'il y a tout le monde conformé. Il y aura le mettre audition, il y aura le mettre investigation. Et puis qu'il y a eu un an en parlant. Et puis, tu ne vas pas venir. Tu dis ça.
ou dit, nous, ou te volons 30 millions de dollars là, dans l'État. Alors, ou l'air, ou pouvez remettre nos 30 millions de dollars à 10 millions de dollars en plus, sinon, on prend 50 ans en prison. Alors, mais si vous payez 30 millions de dollars à 10 millions de dollars en plus, nous pas là pour nous faire du mal. Nous pas besoin de faire 50 ans en prison. Moi, je fais 2 ans quand même. Pour la forme, une belle prison millionnaire, une prison vite pour yo wè yo, pour tout le monde qui prend ça comme exemple, ça va veut dire qu'ils font pile comme mal, qu'on va payer quand même, comme ça fait là dans pile pays là. Regardez PO, 4 présidents déjà en prison. En Haïti. Il y a un quartier présidentiel. Non, bon prison même. Oui, mais il y a un quartier présidentiel en prison même. Parce que tout le monde. Nous fait le pile bien. Nous font prison en vite. Pour le monde entier, touristes viennent garder grand nec qui est en prison. Et puis, on mettait tout au nu. Non, nous ne mettons pas tout au nu, on mettait un bout de shot. Bout de shot. Nous mettait un bout de shot pour tout le monde. Ouais, nous faisons tout un zoo. C'est un shot, un shot que Matéli qu'on mettait sous stage. Trop scandale. Trop scandale dans le pays. Le pays arrive à bout. Et tout le pays, depuis arrive en bout, au conseil de monde qui vient paraître, que le monde vient paraître, et puis, on dit quoi de monde. Par exemple, si vous regardez bien, nous avons toujours attendu, depuis longtemps, un historien, Michel Soukart, qui a toujours parlé. Mais Michel a toujours parlé bien. Son nèg qui est modéré, il dit bah, yo, Jean Réa. Et je suppose que le peuple a admiré, monsieur. Et quand pile le monde, quand vous, monsieur, le pays que le peuple a admiré, ce n'est pas tout le peuple ici, c'est le vacabon. C'est peut-être ça, nous pas qu'à craser, briser, peut-être 200 volets. 20 gros volets que nous tous connaissons, contrôler le port, contrôler le oui, contrôler tout le bagaille. Il y a une autre équipe de 60 volets qui est assez grand, mais qui n'est pas aussi grand que ça quand les gens dominent tout le bagaille. Et pour une équipe bandits, équipe drug dealers, équipe qui est sous l'état. Que les gens ont l'air utilisé, bayo corps pour faire des ordres. Que les gens ont l'air tout, bayo tout. Alors, il y a plusieurs échelons. Alors, deux personnes, vous pouvez mettre en prison. Ou bien, les policiers ne peuvent pas toucher. Mais au moins, les policiers ne peuvent pas toucher, les policiers ont mal touché. Les policiers, ça y est autour, 20-30 haïtiens conséquents. Tu as un droit. Rive, puis on dit au bouquet, tu as besoin de liberté pays. Et puis, entrez, puis arrêtez, Jovenel Moïse. Ça peut arriver, ils ont peur, ça y est peur. Ils ont peur ambassade américaine. Ils ont peur corps groupe. Mais pas de monde qui respecte corps groupe ambassade américaine encore. Ou pas pour pas prier parce qu'on arrive dans un système de désespoir tellement. Si on fait ça, on fait à que faire. Faut mettre en situation, monsieur, c'est pas une hypocrisie. Si on voit tout, on voit tout. Mais si on regarde, effectivement, peut-être, si nous regardons pendant l'époque de Duvalier, le monde qui n'est pas d'accord avec Duvalier, il n'y a pas chité à la caille et puis juste plein air, il y a qui prend ça. Gain qui fait effort. Oui, mais nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de monde prendre âme, tuer le monde, voir ça. Nous avons un nouveau monde. Nous avons besoin, par exemple, un train de policier qui paraît et puis on dit, bon président, tout le monde connaît comme voler dans le tout. Peuple a dit le bafou. Couler, il a arrêté, monsieur. L'ambassade là, le groupe là, va l'obliger. Move quoi, yo? Pas l'obliger, move quoi, yo? Pas l'obliger, fou le bagaille. Alors, il laisse l'ambassadrice là, va l'obliger, vini. On connaît le cap, par contre, ça m'a dit. Parce qu'elle était en Haïti avant comme consul, avant d'être ambassadrice. Nous connaissons le bien, nous connaissons qui parle et qu'on allait, nous connaissons ça et qu'on dit, nous connaissons ça et qu'on fait, nous connaissons ça et qu'on agit. Nous ne pouvons pas dire ça là, non. Mais, qu'elle vienne le premier gouvernement, qu'elle entre dans le palais et qu'elle dit bon, c'est moi le président. Point bas. Le gouvernement dit ok, comme c'est le président, vous là, montrez-nous ce qu'on fait pour nous. Il faut suspendre l'hypocrisie, il faut suspendre la paix. D'abord, on arrive à un tel désespoir. Que les gens vont manger, les gens ne veulent pas prêcher la violence, ils ne veulent pas parler de la violence. Oui, mais il y a une violence quand même. Ils sont violents. Il y a une violence de. Il y a une violence émotionnelle, il y a une violence mentale sur le peuple. Ce sont des bonnes violences qu'il y a sur le peuple. Mais il y a une violence qu'il y a fait. Il y a une violence. Bon, violence qui pire, c'est grand goût. Là où mourir grand goût. C'est une violence qu'a fait sous. Là où pas qu'à travailler,
business fermé à cause de manifestants, à cause de tout problème là. Imaginons. Ou souffrir, ça c'est une autre violence qui a fait sous tête. Oui, mais on fait violence sur business. Il y a violence quand même. On ne peut pas dire que violence c'est âme seulement. Il y a une autre violence qui a fait sous pays. Le monde dans la diaspora a souffri sous Jean Péélier et pas de solution. Parce que la solution dépend de qui est. C'est américain. A pas de solution. Moi, la solution. Moi, ouais. Pas quatre nous. Ils ont fait New York grâce à plusieurs, nous montrer plusieurs épisodes là. Mais ils n'ont pas fait Miami. Quand tu as ici Miami, ils n'ont pas pris la rue dans Miami. Il faut que vous disiez sur Facebook, vous regardez. Il faut que vous soyez clair. Comme nous dominons le pays, bonne solution. Parce que vous venez là, pas solution. L'Abdiou, c'est pays par où? Ou ap décider ça ou vle. Ça veut toujours dit. Mais pas j'aime qui de nous décider. Non. C'est par exemple, vous regardez bien. Nous te dois une relation avec la Chine. Déjà, on bourrique concours. Bon, je vais retirer le mot, mais je vais dire. Sénateur Rubio, pour moi, son crétin lié. Mais là, quand Jovenel Pelle dit Jovenel voter contre Venezuela. Jovenel dit oui, patron. Là, quand Jovenel encore dit, on va faire une relation avec. La Chine, non. La Chine n'a pas des millions de dollars. Faire avec Taïwan. Il y a 150 millions de dollars, goodbye. Regardez, la Chine entraîne et conseille qu'elle font qu'aucun stade football sont merveilles. La Chine n'a pas de côté. Bon, si on a dit 4 milliards de dollars, 41 milliards de dollars, il va aider à construire route, construire des bon, pour ça, on va faire des amis avec là. L'autre là, 150 millions de dollars. Et pour ça, on va faire des amis à la Russie. Mais Georges, ou pas qu'à plein de contrôle américain qui est sous vous. Puis qu'on y a là, on va dire, on vend à la Chine, même contrôle ça. Nous, on va supposer, ça veut dire que si on prend tout comme ça, nommer la Chine, c'est la Chine qui a décidé qu'est-ce que le président. Regardez. Tout comme ça. Non. Contrôle. Pas rien qui gâtisse. Contrôle, nous, comme ça. Contrôle. Tous ces chefs, Yoshita entre eux, avant, c'était Américain, qui a mangé gâteau avant, on dit. Koulia, nous parlons d'un monde unipolaire encore, nous avons un monde multipolaire. La Chine vinil dou mon m'songo grain. La Russie dit m'songo grain, faut m'sou table quand même. Bon, il dit américain, bon, nous allons manger gâteau ensemble. Ou est-ce en Syrie, ou est-ce à l'autre côté. Eh bien, gâteau pas nous. Nous avons pétrole, nous avons uranium, nous avons l'or que la Russie nous a besoin pour frère. Nous avons bonne bagarre, nous avons belle plage, nous avons port facile. Eh bien, n'y a pas de problème. Qui te trois gars qui mange gâteau et puis pas nous mangeons le gâteau. Mais si tu as trois gars qui mangent gâteau, chaque gars fout un bagaille. Donc, on graine le monde qui contrôle ça. Et c'est dommage parce que. Au moins, tu as trois patrons qui ont boulé avec que tu as un patron qui n'a pas besoin. Encore une fois, nous résigner que Haïti, c'est un pays de mendiants. La mendier pour pouvoir suivre. Pour ça, la mendier. Mais... Sous qu'on l'idée vraiment, la Chine, ton pays de mendiants, les suspendent mendiants, Mao Tse-Tung Vini, les suspendent mendiants. La Russie, t'es à Ténet, Poutine Vini, on est Gogun, et puis il dit bon, désordre la fini. Et puis le pays a monté, et puis il y a n'importe chita sous table, obligé chita. Malgré l'économie, oui, ça n'est pas tellement grand comparé à téléphone, l'économie américaine, l'économie chinoise. Mais on est russe là, il y a un pile, il y a un pile désordre, alors obligé de mettre le chita sous table. Chinois a chita sous table, il y a russe a chita sous table. Très bientôt, le Brésil a moins de 10 ans, il va tourner la 4e puissance du monde. L'a monté en pile à Bolsonaro, l'Inde a monté en pile, ou l'Inde va chita sous table à tout. Et ça, ce sont des pays démocratiques. Le oui. Brésil. Non, mais on parle de. Bah, sérieux. On parle de la Chine, la Russie. C'est deux dictatures. Les deux. Oui. Nous faites garder équipe basketball américaine. Qui rivait en bas, et chinois rivait basketball en pile. Mais dès que gagne un tweet de manager of the Houston Rockets, il voyait un tweet qui dit, nous supporter Hong Kong pour liberté contre la Chine. Un petit tweet dans le téléphone que monsieur fait, ça a bouleversé tout ces jours de basket. Qui viennent en Chine, ils sont tellement bloqués, tout match n'est pas disponible sur les ondes. Mais tôt ou tard, là où vous contrôlez les peuples comme ça.
La pleuvée. Tôt ou tard, la pleuvée. Oui. Est-ce que ça sera dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans? Peuple chinois a pleuvé un jour quand même. Nous comptons ça. Peuple la Russie a pleuvé un jour quand même. Oui, mais nous-mêmes, on ne peut pas garder. Peuple chinois, pas quand monde fait commenter. Le président chinois n'a pas fait commenter toute la journée. Le président russe n'a pas fait commenter toute la journée. Pas critiquer le système, mon attaque, mon yo là pour faire business. C'est comme le président américain qui te dit, the business of America is business. Nous-mêmes, nous faisons plus business que nous faisons commenter sur la vie de chaque monde. Et on dit que le système n'est pas non démocratique. C'est vrai, pas un monde qui vraiment veut vivre en Chine. Il veut vivre aux États-Unis. Nous sommes bien contents de vivre aux États-Unis. États-Unis, puis bon, on a défendu les États-Unis. Mais nous n'avons pas besoin que les politiciens nous tout pensent que nous John Wayne. N'y a pas les gens qui ont toute la journée, m'a croisé, m'a brisé, c'est pas un cadeau qui j'ai voulu gérer le pays. Soit disant entrer en Irak, nous gaspillons billions et billions de dollars. Millions de monde mourir, et puis ça qui passe. L'autre jour, soldat américain sorti en Syrie, il oblige à quitter Syrie, il arrive en Irak, et puis les Irakiens disent non, militaire Irakien. Il a changé l'arme Irakien, on l'a mis à l'arme américain pour américain, mais non, on n'a pas besoin de l'opérer. Alors, ouais. Alors, il n'est pas bon pour nous, pour nous faire la guerre, pour nous faire ceci, pour nous faire cela. Nous, là, pour nous faire business à tout le monde. Dans la Chine, nous faisons business. C'est le système. Yo. Et eux-mêmes, en Chine, en même temps, son pays qui est contrôlé par caméra, contrôlé par tout le bagaille. Mais soit en Chine, pour acheter un cellulaire, dans chaque coin là, il y a un petit magasin qui est sans cellulaire, il y a un médecin qui a de la même, leur est à parler, il écoute au bon marché, il est débloqué. Cellulaire coûte 10 dollars à moi. Pour parler, tout le monde voulait, à longueur de journée, j'en voulais. Tandis que ici, hein, monsieur, soi-disant démocratique, pour Consumer Protection Agency, ici, hein, pas aider dans quel sens, ou quitter TNT, T-Mobile, et Verizon, fait ça, vous voulez, puis vous chargez 50 dollars, 60 dollars à moi. Pour cellulaire. Alors, quelle démocratie est là? Quelle démocratie? Ou elle vote, et puis c'est Big Corporation qui a décidé ce qu'a fait dans le pays. Tandis qu'en Chine, mon baga, corporation ne va pas dire l'État, ça peut faire. Ça, c'est un aspect positif. La corporation nomme l'État. Il est associé avec oui, l'État. Oui, mais il ne va pas dire l'État, ça peut faire dans la politique extérieure. Yo. Mm-hmm. Ici, en même, c'est pas bon que la corporation, si il volait, sociopathe, cap diriger la politique extérieure. Et puis, qui contrôle les médias. Et qui contrôle les médias. En Chine, par ça. Oui, mais c'est encore une fois, c'est parce que c'est, ce n'est pas la démocratie. Il y a deux côtés de démocratie à faire pour balancer. On retourne sur Haïti rapidement avant de finir l'émission. Nous dit, nous t'ai parlé d'une solution, que effectivement, pour moi-même, il faut arriver à casser ce système-là. Il faut nous casser, il faut nous refaire la constitution, il faut nous refaire, rebattre les cartes, et au niveau du Parlement, il faut changer les critères de Parlement pour que le monde avine éventuellement candidat au Parlement. Il faut qu'il y ait des critères qui ramènent le Parlement comme était avant. C'était des gens de bien, des gens éduqués, des gens formés qui ne rentraient pas la donne parce que ces bandits, ils connaissent qu'il y a une protection. Si vous êtes sénateur, vous protégez. Les militaires vont finir tout. Depuis que vous avez un bon vol, pour même là, pas non, la constitution nouvelle là, pas bien mis. Non, et puis, pas bien aucune protection à si un sénateur volé ou un député volé, la prison. Ouais. That's it. C'est et pas plein dire. Exactement. Exactement. Bon, ici, il y a un sénateur là, parce que il y a joué que le sénateur lui couché avec une jeune fille et monsieur. Il a arrêté monsieur, sinon la fait la prison. En même temps, tout le monde d'accord que ici c'est vrai, mais son hypocrisie est ici tout. Combien de présidents américains qui sont en prison? Bandit, ancien bandit. Non, il n'a pas quitté le président. Bon, il a protégé la présidence. Il n'a pas quitté. Combien mais il a l'autre monde. Combien de ministres qui sont en prison? Combien de sénateurs qui sont en prison? Regardez au Brésil. Combien de banquiers qui sont en prison ici? Il n'a pas quitté le Madoff. C'est un exemple soi-disant. Mm-hmm. Mais combien qui méritaient déjà la prison? Non, c'est sûr qu'il y a une protection quand même. Parce que là, par exemple, regardez, Honduras prend 4 présidents mettre en prison. Pérou prend président mettre en prison. Brésil met président en prison. Tout le monde a mis président en prison. Il y a un corps qui a protégé le monde. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des mots. Beaucoup n'aiment rentrer dans la situation. Si effectivement, je voulais le tomber,
C'est ça que tout le monde a demandé. Tout le monde dit, toute institution a demandé, monsieur Ali. Monsieur Ali, disons qu'il n'a pas fait 10 ans, il a fait un provisoire, peut-être en élection dans 6 mois, 1 an. On garde, je connais. Sous besoin, j'ai payé, on va faire une élection dans 6 mois. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes dans la bonne école. Mais vous ne pas comprendre. Il y a une pression dans la rue pour que monsieur aille. Pression, ça, c'est un paquet de monde qui a besoin de pouvoir. Non, mais monde, ça a toute opposition. Ça, ouais, là, il va l'arrêter tout, tout. Ça, c'est bobine. Non, mais ok. Vous avez rêvé. Alors, moi, j'aime rêver. Mais on ne va pas être en réalité. Il faut son rêve. Mettre rêve en technique ou là. Mais j'ai été rêvé, Brésil. C'était une impunité totale. Il n'y a pas jamais carré des personnes. Technique ou là, c'est ancien terme. Rêve brésilien, viré. Ça, c'est les années 60, nous parlions de technique couleur. Ça n'a pas existé encore. C'est HD. Il y a high definition. Nous rêvons. High definition. Ça rêve plus toujours. So, on prend, effectivement, les gens qui en a eu, qui ont demandé à M. Allé, qu'on pile les gens financés pour ça, parce qu'ils ont besoin de pouvoir, qui ont là, dès que M. Allé, ils ont même mis la pression dans la rue pour gagner l'élection. So, ça va durer 10 ans. Ça so, handicap durer un an. Élection dans un an pour que y aura refait, etc. Qui est-ce ou est souterrain qui déclarait que qui fait bruit comme candidat, comme yo candidat? Qui est-ce ou est vous pensez qui a passé ou est-ce que c'est un monde que nous pas compte du tout qui a sorti de quelque part pour dire mêlé? Bon. So on voit monde qui là. C'est une très 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 belle question, mais avant de répondre à une question, ça faut me dire ça nous est sous terrain là, son bon volet, qu'après les barres volées. Alors nous n'avons pas de candidat sous terrain là. Tout monsieur ça a eu prédit que Jovenel, qui a prédit que ceci, qui a prédit que cela, qui a proposé, qui était anti-Jovenel. Tout le monde a eu la prison tout. Ok, qu'ils ont voulu qu'on a eu les noms, détails. Ouais, il y a un candidat que je suis chité avec, et c'est Victor que le candidat, il n'a pas demandé que Jovenel allait. C'est seul. Yes. Nicolas, tu vas dire. Mm-hmm. Mais que ce soit Tardieu, Boulos, Jean-Charles, Pierre-Jean-Charles, qui est-ce qui alors, par contre, pour Mme Maniga, si vraiment, s'il si est souterrain encore pour bataille à la présidence, par contre, si Becker là-dedans, C'est mon nouveau qui peut paraître pour les gens. C'est mon nouveau qui peut paraître. Tout le monde, c'est le passé. Ils mettent bat quoi, ils mettent pas en pile, ils finissent de connaître, ils connaissent son bon rat et son dératisation qu'a fait. Alors, rat pas qu'à la donne. Pas de monde qui a venu, oh, moi-même, c'est candidat qui ça? C'est candidat à prison. Ces candidats qui sont, vous le sénateur, vous le sénateur la prison. Vous le député, vous le député la prison. Vous le président, vous le président prison, peut-être. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais si vous avez un GPI, il faut faire comme ça. Ou pas faire l'élection ni dans un an, ni dans deux ans, ni dans trois ans. Premièrement, vous ouvrez tout l'école, vous faites la constitution, vous faites tout le monde calmer, vous faites un conseil des sages, vous prenez un monde qui a une réputation dans la société. Pour yon baye opinion yon honnêtement, que tout le monde reconnaît yon. A dit, moi, c'est groupement qui représente l'église. Non, nous pas un groupement qui représente l'église, groupement qui représente tel bagaille. Non, trop groupement, trop non, trop ONG. Sam Kadiyo nous fait expérience. Nous parlons gagote encore. Nous fait expérience conseil des sages. Comment on aime conseil? Moi, ça me suggère. Nous fait expérience conseil des sages. Malheureusement, ça nous rejoigne, nos conseils des sages, c'est Gérald Atotu. Qui était une catastrophe au pays. Oui. Et Gérard Tortu menait Yuri la Tortue. Non, pas le conseil des sages, il n'y a pas de conseil des sages. Non, mais c'est le conseil des sages qui choisit Gérard la Tortue. Non, c'est un mec qui te choisit. C'est un mec qui te choisit. Bon, ok. On est dans l'autre nom. Bon, ok. On a fait un conseil. Je ne pas contre les sages, okay. Non. Moi, je dis que je ne veux pas rentrer dans la situation. Côté, bon, c'est un autre Gérard la Tortue que n'a bien. C-A-C ou K-A-K. Ça veut dire conseil d'haïtien conséquent, indépendant. Conseil d'haïtien conséquent qui indépendant. On retire le mot sage là parce qu'il est passé dans l'histoire déjà. Nous pas besoin. Mais il y a des gens vraiment qui ont vu toute vie réagir à mon droite,
mon intègre. Non, d'accord. Il y a au moins une douzaine de monde. Où c'est là d'ailleurs? Non, pas là. Où sont mon doigt? Où sont mon doigt? Où sont les haïtiens conséquents? Bon, merci. Ok, il y a plusieurs exemples qu'on apprend des hommes qui ont toujours été conséquents. Même si il y a des gens que la misère fait des bagages pour ne pas faire pour survivre, parce que la survie est très importante dans la vie, mais ils ont fait vivre, ils ont été honnêtes. Donc, il y a plein de monde comme ça. Vous prenez une série de monde qui ont un certain âge, vous voyez, passer la cinquantaine, que si vous n'avez pas de volant, vous n'avez pas besoin de voler pour les de venir passer, vous voyez. Et pour mettre là, pour dire, nous avons besoin des conseils. Nous avons besoin de nous, ça nous pense. Nous avons besoin de nous, ça nous fait. Pour leur conseil d'experts, national et international, on mettez ensemble pour faire une constitution totalement transparente. Que personne ne doit faire un deal, fait. Qui est-ce qui est propriétaire de NATCOM? Qui est-ce qui est propriétaire e-power? Qui est-ce qui est-ce qui vend? Et Bible, mon comment il est bah qui fait blé tout bah yo privatisé minoterie tout bah yo privatisé qui j'ai yo privatisé qui est-ce qui a acheté yo qui est-ce qui fait quoi sur yo qui est-ce qui te paye la douane qui est-ce qui pas te paye la douane ah parce que peut-être ça me dit investigation auditeur puis vous l'aurez les monde puis regardez ou pas qu'à courir encore parce que vous l'avez Interpol quelque soit payé ou aller là ou à courir venir mettre tête ou regardez hier acheté yo pour un brésilien dans Miami la police internationale. On a gueulé le roi Arthur. Alors, c'est même pas qu'elle a pas courir encore, pas caché encore. Alors, on va venir, on va parler, on va expliquer qui on va le remettre comme là, avec bénéfice sur lui. Par exemple, on est là, on a. Mais, bon, on est qui prend un contrat, 53 millions de dollars. Là, mais je viens de dire, là, le prêt est quoi, mais l'on a. Là, le vol au Fatma, on a 6 millions de dollars. Même qu'on aime, c'est bien moi-même. Et puis, M. Goulet propose leader politique. Qui leader politique est là? Comment fait tout comme ça? Alors, bien intelligent que tout le monde là-bas. Ou étudier Bassem? Ou pas foutre étudier Bassem? Alors, soyez, vous êtes docteur en magouille. Foutez docteur vraiment, vous êtes arrêté. Soyez, vous n'avez pas proposé gros business pour nous. Alors, Goulet, tout vagabond, il fait vagabondage. Et puis, je suis un grand businessman. So, finalement. Et puis, c'est des pirates, vous voyez? Et au sein de notre businessman. So, finalement, si nous faisons un petit bilan de la conversation aujourd'hui, nous sommes d'accord que payer ça, les nommés, les États-Unis. Gros chef, c'est les États-Unis. Oui. Si nous avons besoin de résoudre le problème Haïti, c'est manifester devant les Américains aux États-Unis. Pacifiquement. Faire qu'on ait, mettez 1000 mounes, 5000 mounes, 10 000 mounes moun devant. Ambassade. Non, mille moun. Un million moun minimum kakou. Non, mais on parle de diaspora. On parle de diaspora. On parle de Miami. Diaspora a fait pression par ici. Mais oui, mais au moins. Comme où elle au Chili hier. Mais m'a dit aussi. Plus d'un million de moun dans Santiago que toute la presse est obligée de bali. Ou remplir la rue à moun pacifiquement pour bon sérieux, avec bon pancarte la moun, quoi demander bagayou clé. Georges, pour les médias américains, je n'ai pas vu mon Haïti finir encore. Ça presque pas arrivé encore. Parce que je n'ai pas encore. C'est le non-diaspora que nous avons manifesté, puisque je suis déjà là et a filmé. Non, mais nous avons pas nous avons pire. Nous avons mais nous faisons ça déjà. Haïti fait des heures. Fait, je suis levé campé, je suis manifesté. Mais non-diaspora, pourquoi voir ça? Moi, une douzaine de monde à New York. Mais si nous comprenons que c'est Américain qui contrôle Haïti, ce n'est pas la peine de perdre du temps. C'est une vérité. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Mais on dit que, on adresse nos Nations Unies, on adresse nos consulats américains, ambassades ou bureaux américains, ou à trouver un symbole des États-Unis ici à Miami, mettez 10 000 personnes dehors avec pancarte, ou après qui j'en ai dit américain a réagi. Oui, mais et, tout ça, la donne. Mais tout ça, c'est ça. Tout si vous voulez changer Haïti, c'est ici pour faire des ordres. Pas des ordres. Manifestations. Ceci n'empêche pas cela. Mais tous les journaux du monde, il y a des gens en Haïti qui ont voyé WhatsApp, qui ont voyé YouTube. Mais ça n'a pas affecté. Là, il y a un Biscayne Boulevard qui est bloqué pendant 3 jours avec 10 000 manifestants. Là, ça, l'Amérique a levé,
à penser. Il y a déjà contre tout ça qui a passé. Mais c'est... tout autant que ça n'a pas affecté yo, localement, ils n'ont pas quitté Haïti mourir. Parce que Haïti, ce n'est pas pour priorité. Yo. Okay. Haïti, ce n'est pas priorité. Yo. Okay. Right? Mais de toute façon, j'aimerais dire, Haïtien pas besoin si tu as dépendre de l'Américain ou de qui que ce soit. Si son pays est souverain, il faut le cap prendre décision, faire relation diplomatique à tout le monde. Chantier à tout le monde, boule à tout le monde, il faut le nettoyer dans la caille premièrement pour mon caïdel, pour commencer à planter, pour commencer à faire tout le bagaille, il a besoin de faire comme pour Saint-Domingue. Et pas le problème, Saint-Domingue tout. Parce que l'autre, il y a un gros blocus dans la rue Saint-Domingue, une grosse manifestation. Parti Medina avec Lionel a éclaté. Tu vois, dans mes douleurs. Mais au même, pays, il y a une frustration. Et ouais, de par le monde, les gens n'acceptent plus. Eh bien, on va terminer, puisque nous finissons une solution pour Haïti et presque pour le monde entier. Les Américains contrôlent Haïti globalement, internationalement. Mais il faut dire que le local là, c'est bon goût, c'est même petit groupe 20 personnes parmi lesquels il y a les Dib là-dedans. Il y a Renaud Dib, il y a Eddie Dib qui est chef suprême mafia, mais qui voit Renaud devant. Robert Dib, c'est monde ça a contrôlé le pays, qui a fait tout bas illégal. C'est la première fois dans l'histoire d'Haïti où un groupe de monde qui contrôlait Haïti autant. Les Bretons là, ils ne peuvent pas contrôler comme ça. Ils ne peuvent pas contrôler Divalé, ils ne peuvent pas contrôler rien. Les Madsen de là, ils ne peuvent pas contrôler comme ça. Tous les grands qui étaient avant, même Bidio, ils ne peuvent pas contrôler comme ça. Pas, ils ne peuvent jamais contrôler comme ça. Mais au bout, un groupe bon goumen, ils ont contrôlé la presse. Ils ont contrôlé la police, ils ont contrôlé la chambre, le parlement, tout sous compte. Ils ont contrôlé la douane, ils ont contrôlé la justice. Moi-même, quand je parle à voir là, j'ai un mandat d'arrestation contre moi. J'ai un mandat d'arrestation contre moi. Un faux mandat, mon mandat d'arrestation. Si je m'arrête la couleur, arrête. Haïti. Ouais. Alors, ouais, je vais voir Haïti, je vais voir Georges en Haïti la semaine prochaine, et puis je vais voir une caméra pour me filmer, monsieur. Je vais mettre mes mains sous lui. Ça vous inquiète aussi, je vais mettre mes mains. La coûte est cher. Pourquoi ça? Les gens qui mettent faux mandat, tout le monde a un problème, tout le monde mettre la prison. Mais tout ça, je vais dire, c'est que je suis fatigué, comme un peu de monde qui a regardé, je suis fatigué d'entendre Haïti dans tout problème ça. Haïti, c'est un pays qui est riche de culture, de musique, de manger. Tout, la culture haïtienne est tellement belle. Mais nous n'avons jamais parlé de belle musique, de belle culture, de belle danse, culture, belle tout ça. C'est cuisine, c'est. Claude, c'est. C'est important que nous finissions de parler. Nous t'aimons un jour que nous ne parlions pas de politique haïtienne du tout, que tout va marcher tellement bien, pas un problème que nous avons vraiment focus sur les autres belles choses haïtiennes qui sont vraiment la raison que Haïti doit exister. Ce n'est pas sa politique. Et c'est pas tous ces chirépites, toutes ces guerres entre les chefs de gang que vous avez élus ou non, c'est le résultat. Alors, ça c'est mon espoir, c'est que un jour, avant que mourir, que solution pays a résoudre, même pas quoi ça privé. Un dernier mot, vous pouvez dire. Que ça a privé, dératisation qu'a fait là, c'est bon pour Haïti. Son dératisation mondiale. Chaque 100 ans, il y a des révolutions dans le monde. Seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Et sans changement, il n'y a pas d'évolution. Alors, Haïti va changer parce qu'on ne paye pas qu'à mourir. Et vous, on arrive à un point, parce que moi, je suis très conscient, sous le temps, notre garçon t'a parlé hier, il est Tristan. Sur WhatsApp, nous, elle est, c'est un bas extraordinaire, elle est sur YouTube, elle est de tous côtés. Alors, monde, dans le monde entier, en Irak, partout dans le monde, ils n'ont pas pris en prière encore. Menti infini, tout menti kaba, affaire de en bas à monter, en haut à descendre, il faut que ça finisse dans le monde. Et voilà, nous jouons une solution du pays et du monde entier, grâce à Georges Sati, qui chita avec. Ma première, c'est encore genre d'être venu, et en 3 ou 4 mois, parce que chaque 3 ou 4 mois, Georges Vini a fait un bilan de la situation. Chaque fois, souvent, c'est pas une pirette. Mais là, bien content de venir aujourd'hui.
Et m'a dit tout le monde, merci pour suivre l'autre émission de Mosaïque. Et n'a la semaine prochaine pour joindre l'autre solution qui a résolu tous les problèmes du monde. Merci Claude et merci tous les téléspectateurs. Claude va le mettre sur YouTube. Si nous pensons intéressant, passez-le par les amis, nous mettez-le sur Facebook, voyez-le sur WhatsApp, share-le. Si nous pensons que l'intéressant est que le monde apprenne quelque chose, si nous avons des bonnes idées. Merci beaucoup. À bientôt, chers amis.